Italiens, Belges, Tchèques, Français, quelques 200 grognards s'apprêtent à rejoindre le centre-ville avec à leur tête l'empereur en personne. Très heureux d'être de retour dans ma ville, qui a vu ma naissance. Anxieux avant les batailles? Pas du tout, jamais. Dans le cortège, la présence des despotats ou brancardiers rappelle l'origine du service de santé des armées dans les batailles. 13 avril 1809, c'est une date historique concernant le service de santé, parce que pour la première fois lors de la bataille de Wagram, nous allons intervenir sur le champ de bataille. C'est la première fois où on va vraiment sauver et soigner les soldats sur le lieu même où ils ont été blessés. Saviez-vous que parmi les grognards, 10% étaient des femmes de soldats? Les femmes qui étaient mariées avaient une rente de son mari. Mais étant donné que son mari est décédé, automatiquement, elle prenait la place pour récupérer la rente et le salaire du soldat. Sur le passage, que l'on soit pour ou contre Napoléon, on ne se lasse pas du spectacle. Ça fait 50 ans que je viens, alors tous les ans on vient voir le spectacle, effectivement le défilé c'est sympathique, hein, ça met de l'ambiance. Hein. Remémorer des guerres qui ont fait les victimes par centaines de milliers, c'est pas forcément mon kiff, mais bon... Vous êtes là quand même pour regarder donc, regarde. Alors l'attrait voilà. Il est où? L'attrait il est dans le fait d'être ici, bon Napoléon et d'Ajaccio... Le folklore. Voilà, c'est folklorique, voilà. Entre les défilés, conférences, expositions ou théâtres, dès ce soir, un bal aux couleurs du Premier Empire se tiendra à partir de 20h dans la cour du Palais Fèche.